tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une séance avec Wipestar de Cavaletti. Alors initialement j'avais prévu de passer le petit soubassement bleu que vous voyez tout à droite, mais je ne l'ai pas passé parce qu'en fait la séance s'est pas passée comme je pensais qu'elle allait se passer. On a eu énormément de difficultés au galop déjà de base, elle avait vraiment pas un bon équilibre. Je me demande si c'est pas dû à ses chaleurs parce qu'elle est en fin de chaleur. Et donc je pense qu'elle doit avoir peut-être des petites douleurs restantes parce que le cours de samedi donc avant c'était très bien passé, pourtant elle était en chaleur. Et là c'était donc quelques jours après, c'était le lundi et c'était pas ouf du tout le galop vraiment. Et du coup à gauche ça allait plus ou moins bien sur le Cavaletti. Mais une fois qu'on est passé à main droite sur le Cavaletti, c'était vraiment hyper compliqué. Donc j'ai bossé les trois quarts de la séance à main droite pour essayer de faire un truc pas trop mal. Ça a été vraiment très compliqué, j'ai eu plusieurs refus. Elle a striké le Cavaletti plusieurs fois. Quand elle sautait, je m'y attendais pas du coup, vu qu'elle arrêtait pas de s'arrêter ou quoi, je m'y attendais pas, je suivais pas bien le saut. Donc je lâchais presque mes rênes pour éviter de lui tirer dessus. Enfin, c'était vraiment une séance, on n'était pas... C'était pas le jour, on n'était pas dedans, voilà, c'était pas un bon jour. Et ça arrive, donc j'ai décidé de vous montrer quand même cette vidéo, même si elle est vraiment pas le reflet de ce qu'on sait faire, parce que c'est pas une bonne séance, voilà, tout simplement. Et ça arrive, et je trouve ça normal du coup de vous montrer, j'espère juste que vous allez être sympa. Parce que oui, forcément, moi je suis pas une cavalière professionnelle, elle c'est pas une jument de Grand Prix. Elle a 5 ans, c'est une pure sang, ça fait 2 mois qu'elle saute, voilà quoi. C'est pas ouf ce qu'on fait, mais on se débrouille. Et j'ai quand même réussi à avoir 2 bons passages à la fin à droite, donc j'étais contente et je l'ai laissé là-dessus. Voilà, une séance pas très académique, mais une séance d'apprentissage qui a le mérite d'être sur YouTube, d'après moi, pour montrer aussi la réalité et que tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Même si moi elle me plaît pas forcément. Et donc je vous dis à bientôt. Je vous reprendrai un peu plus loin dans la vidéo pour expliquer le problème qu'on a eu à droite.
Et là, incompréhension totale, donc Wipestar fait un gros écart, donc je veux la ramener devant, sauf qu'elle voulait pas se mettre devant, elle se fait un tout petit cabré, donc je la fais tourner dans l'autre sens pour la remettre devant, je la caresse, je lui parle parce que j'ai pas compris vraiment ce qui se passait, et on va revenir plusieurs fois dessus. Vous voyez bien que à droite, on a eu énormément de mal sur cet exercice, à gauche vraiment c'était une formalité. Voilà, donc là elle se réarrête. Donc je repars devant, enfin je repars lui montrer. Je crois que je la recaresse il me semble, et après je reviens. Et j'ai fait ça plusieurs fois, enfin c'était un peu chaotique cette séance, enfin surtout à droite, parce qu'à gauche j'ai pas eu vraiment de problème. Voilà, là elle est passée de l'arrêt, donc il me semble, oui voilà, je la félicite parce que je m'en fous, enfin elle a tout striké, mais vu que ça faisait deux fois qu'elle s'arrêtait, bah moi tant qu'elle passe c'est tout ce qui compte. Et après ça commence à aller un petit peu mieux vers la fin, vous allez voir. Et j'ai, voilà, là encore je la caresse même si c'est pas très académique, parce que le but c'est qu'elle passe de l'autre côté, et tant qu'elle passe de l'autre côté, je suis contente, voilà, même si c'est pas beau, même si elle fait tout tomber, voilà, c'est pas le principal, parce que j'ai vraiment pas envie de la planter, voilà, parce que je sais ce que c'est un cheval planté et c'est pas cool. Et donc bah voilà, là vous voyez, elle a encore fait tomber, donc je reviens, et enfin j'ai fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit plus ou moins bien. Je sais qu'à la fin on a fait une fois un gros saut, donc là elle s'arrête, je repars directement, et là elle le saute, oui voilà, mais de l'arrêt elle fait encore tomber le Cavaletti. Enfin c'était vraiment pas ouf à droite. Mais voilà, j'ai décidé de vous montrer quand c'était bien, mais j'ai décidé aussi de vous montrer quand c'était pas bien, donc j'espère que vous respecterez ça. Voilà, là donc elle a fait un très très gros saut, donc je caresse bien fort. Je sais pas si vous allez entendre, mais je lui ai dit c'est bien, c'est bien, c'est bien, plein de fois. Et je l'ai laissé marcher un petit peu, enfin deux secondes, juste histoire qu'elle réfléchisse en la caressant. Enfin bref, je vais arrêter de parler pour rien dire, et juste j'espère que vous allez respecter le fait que j'ai décidé de vous montrer aussi le mauvais, et que vous n'allez pas m'incendier en commentaire, parce que j'essaye de faire ce que je peux. Voilà, c'est une jument très sensible et qui monte très vite en pression. Dès qu'elle comprend pas un exercice, elle fait un peu n'importe quoi, voilà.